إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما علينا أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار donc inshallah ta'ala nous sommes dans le cours des trois fondements, c'est le cours numéro 22 inshallah ta'ala. Aujourd'hui je donne le cours directement du Paltok parce que avec Bylux ne veut pas, yani il demande une mise à jour, je l'ai faite et il n'a pas accepté. El-Muhim. Donc on commence bi-idhillahi ta'ala. Maintenant l'auteur va parler de la preuve concernant l'attestation. Et ça se divise en deux, la preuve concernant l'attestation de la ilaha illallah, ensuite la preuve concernant l'attestation de ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Quant à la première, Allah Ta'ala dit dans le Coran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ali Imran 18. Allah atteste, de même que les anges et les gens de science, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est lui Azza wa Jalla, le mainteneur de la justice. Nulle divinité digne d'adoration sauf lui, le puissant, le sage. Donc dans ce verset, vous avez remarqué ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Mais avant cela, le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire la ma'bouda bihaq illallah, nul ne mérite d'être adoré de droit si ce n'est Allah. Donc le sens de la ilaha, il y a d'abord la ilaha, ensuite illallah. La ilaha, nulle divinité digne d'adoration. Donc la ilaha, c'est une négation. Nafi. Il n'y a pas de divinité. Nulle divinité, yani digne d'adoration. Non. Le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le sens de illallah, sauf Allah, excepté Allah, est une affirmation, itbat, qui signifie que l'adoration ne doit être accomplie uniquement et seulement que pour Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas d'associé dans son adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans la création. Et l'explication clarifiée de cette attestation réside dans la parole, naam. Il va citer ici le verset, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. يعني الزخرف 26-28. Et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être y reviendront-ils. Et également sa parole, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dis aux gens du livre, c'est-à-dire Ali Imran 64, dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. D'ailleurs, on va lire le commentaire de Cheikh Suhaimi, hafidahullah ta'ala, à propos de, yani, comment qu'il a commenté ces trois versets. Il dit, dans le Cheikh, Mohamed Abdel Wahab,
Dans ce paragraphe, nous explique le sens de la ilaha illallah. Le cheikh a tout d'abord mis en évidence la preuve de l'obligation de la shahada. La preuve de l'obligation de ce témoignage en nous citant la parole d'Allah. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. C'est-à-dire, Allah atteste, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice. Nulle divinité digne d'adoration sauf lui, le puissant, le sage. Ali Imran 18. Donc vous remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala atteste au sujet de sa propre entité, sa propre essence. Ici, il a dit personne, sa propre personne. J'aime pas ce mot. En parlant de Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il a une personne. Je ne peux prononcer ce mot. Je préfère son entité, son essence. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala atteste au sujet de son essence et les anges eux aussi attestent. Donc Allah Ta'ala atteste et les anges aussi attestent et également les gens de science. Allah Subhanahu wa Ta'ala n'avait nul besoin de témoigner. Il n'a nul besoin de témoigner qu'il est yani, le seul qui mérite l'adoration. Cependant, il l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Il dit ici, il l'a fait pour amener les gens à reconnaître son unicité. Et également, pour mettre en évidence la supériorité de ce témoignage et sa grande importance. Allah Azza wa Jalla a ainsi uni et relié l'attestation des anges et celle des gens de science à la sienne. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une attestation et il a relié à son attestation quoi? Celle des anges et celle des hommes de science. On déduit de tout cela la grande valeur de ceux qui recherchent la science, les savants, naam, et les tulab al-ilm, car Allah Azza wa Jal les a honorés par le fait d'avoir uni leur témoignage à celui des anges et aux siens. Allah a donc démontré clairement que ce témoignage était un témoignage grandiose et illustre. Naam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, pour témoigner yani qu'il est le seul qui mérite l'adoration, yani il a témoigné en prenant témoin qui? En prenant témoin lui-même. Et en ajoutant les anges, ensuite en ajoutant les gens de science. Pour dire, yani que, regardez le témoignage des gens de science, yani combien qui. Salam alaikum, cher, vous avez perdu le micro. Grandiose et il est digne d'adoration. Oui, le plus. Naam, donc j'ai perdu le micro, est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdoulilah. Donc, il a conclu le verset en disant, voilà, grandiose. Ensuite, il a conclu le verset en disant, La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Nulle divinité digne d'adoration sauf lui, le puissant, le sage. Puis, l'auteur a expliqué le sens de cette parole, La ilaha illallah. Cette noble parole englobe et renferme deux formules, deux notions. Une formule de négation et une formule d'affirmation. Et ça, on l'a expliqué plusieurs fois, mais malgré on le réexplique, ça mérite. Car c'est très grave de ne pas comprendre que ça veut dire la ilaha illallah. Il dit, la ilaha illallah, il commence par la ilaha, ensuite il y a illallah. La ilaha correspond à la négation, tandis que illallah correspond à l'affirmation. Ce témoignage comprend donc deux formules, deux notions, qui sont inséparables. Il ne s'agit pas de les séparer l'une de l'autre, comme le font certains soufis qui ont délaissé la formule la ilah et qui se contentent de répéter en boucle illallah, illallah. Naam. Donc les soufis, qu'est-ce qu'ils font? De l'attestation pour eux, c'est la fin. Donc la ilaha, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, illallah. Donc ils se rencontrent comme ça en groupe. Naam. Et ils commencent tous à la fois en disant illallah, 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 comme ça en groupe, naam, et en même temps en se courbant, en se relevant, en se courbant et en se relevant, naam,
Et les égarés égareurs, naam, ne savent pas que ça, c'est la grande bida, hein, c'est l'une des grandes bida. C'est l'une des grandes bida. Pourquoi? On va leur dire, est-ce que le prophète sallam a fait ça? Est-ce que les sahaba, les tabi'in, les savants? Donc, il n'y a personne, sauf le shaitan. Et le shaitan, je ne sais pas s'il a fait ça. Naam. Donc, il dit ici, mais ceci n'est pas correct. Ceci est une erreur grossière. Il est nécessaire de rassembler les deux formules. La ilaha illallah. Et le fait de se contenter de la formule illallah n'a aucun sens ni aucune valeur. Pire encore, c'est une grande bida. C'est une grande bida. Il dit ici, car si tu croises une personne marchant dans la rue, si tu croises une personne marchant dans la rue en répétant illa Zayd, illa Zayd, illa Zayd, sauf Zayd, sauf Zayd, sauf Zayd, qu'en penserais-tu? Que va-t-on penser de cette personne? On va se dire que cette personne est troublée, qui n'a plus toute sa raison. Elle est démente, insensée, ridicule. Ainsi, il est nécessaire de regrouper les deux formules, les deux notions, la ilaha illallah. Hein? Si on trouve quelqu'un dire sauf, sauf Karim, sauf Karim, sauf Karim, sauf Karim. C'est faux, ça peut pas marcher. Qu'est-ce que ça veut dire, sauf Karim? Ça peut pas marcher. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il dit ici, la ilaha, nulle divinité n'est digne d'adoration, correspond à la négation du droit à l'adoration pour qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Que ce soit un homme, un djinn, un animal, un végétal, une pierre, une statue, une étoile, une planète, etc. Non, la ilaha. Pas d'adoration à ces choses-là qu'on a citées. Je ne les adore pas, elles ne méritent pas l'adoration. Illallah, sauf Allah. Et ça, c'est l'affirmation de ce droit à Allah seul, en toute exclusivité. Tout acte d'adoration se doit d'être destiné uniquement à Allah Azzawajal seul. Il ne suffit pas de répéter en boucle illallah, illallah, comme le font les soufis. Ni de répéter en boucle également Allah, 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 comme le font également les soufis, qui se dandinent et dansent en répétant Allah, 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 d'une seule voix. Pendant que d'autres encore se contentent de dire hu, 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 qui est la contraction du pronom personnel huwa. Huwa, c'est-à-dire en arabe, lui, lui, c'est-à-dire Allah. Donc, il dit seulement « Houa, houa ». Et comme à la fin, on ne dit pas le « A », il dit seulement « Hou, hou, hou ». Comme ça, il y en boucle et en groupe. Ils se mettent des dizaines, des centaines, ils commencent « Hou ». En pensant que « Hou », c'est-à-dire lui, Allah Azzawajal, fait partie des noms parfaits d'Allah. Ils croient que « Hou », ça fait partie des noms d'Allah. Comme le magique. Le Rafour, le Rahim, le Wadud, ils disent donc il y a aussi Hu. Naam. Ou que c'est un rappel d'Allah, alors que Hu ne fait pas partie des noms parfaits d'Allah. Et ceux qui crient et qui déclament en répétant cette parole Hu, Hu, se sont fait tromper par Shaitan. Shaitan. Naam. Qui leur a enjolivé leur égarement. En conséquence, il est nécessaire d'être vigilant vis-à-vis de tout cela. Il est donc nécessaire d'être vigilant vis-à-vis de tout cela bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue et dit, il dit, depuis un moment, écrivez-nous un si vous m'entendez, depuis un moment, alhamdoulilah, il m'arrive. Ou bien, Cheikh Souhaïmer, hafidallah, nous dit même que depuis un moment, il lui arrive à lui, d'entendre à la radio, dans certains pays musulmans, des programmes dans lesquels des gens répétaient, hou, 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 comme ça en boucle. Et parfois on entend, illallah, illallah, illallah. Et tout ceci, en vérité, relève de l'égarement. Par ces choses, par ces agissements, on éloigne les musulmans de leur religion. Et on les éloigne du tawhid authentique. Ce tawhid qui est issu du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran ou la sunna. Le Coran et la sunna qui ne contiennent ni incomplétude ni excédent. Qui n'ont donc
pas besoin qu'on en enlève quoi que ce soit ou qu'on rajoute quoi que ce soit. De même, les deux notions, la négation et l'affirmation, sont nécessaires et essentielles à la compréhension correcte de cette noble parole qui est la ilaha illallah. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que le droit à l'adoration revient à Allah Azza wa Jal seul. Ainsi, le sens de la ilaha illallah revient à affirmer qu'il n'existe en vérité aucune divinité digne d'adoration sauf Allah. La ma'bouda bihaq illallah. Et quiconque explique le sens de la ilaha Cher, vous avez perdu le micro. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, vous voyez pourquoi je n'aime pas Il dit, la négation de tout ce qui est en dehors d'Allah, non, ça on l'a dit. Et qui, hein? De fait, ceux qui disent que la ilaha illallah veut signifier qu'il n'y a de seigneur et de créateur qu'Allah se trompent. Ceux qui disent que la ilaha illallah veut signifier qu'il n'y a de seigneur et de créateur qu'Allah se trompent. Bien évidemment, il n'y a de seigneur et de créateur qu'Allah. Mais ce n'est pas le sens voulu par cette attestation. Car les polythéistes de la Mecque, à qui le prophète alayhi salam a prêché, savaient très bien qu'il n'y a de créateur et de seigneur qu'Allah Azza wa Jal. Donc à quoi ça sert qu'ils leur disent de dire la ilaha illallah? Ils savent qu'ils savent dire la ilaha illallah. Non. Ils savent, yani que, c'est-à-dire que, le sens, c'est-à-dire qu'il n'y a de créateur ou de seigneur qu'Allah, ça ils le savent. Mais bien sûr, ils ne savent pas la vraie, yani, ce que veut dire. Il dit, sauf qu'il l'adorait en lui associant une multitude de fausses divinités dans son culte. Non. Ainsi, ceux qui disent que la ilaha illallah signifie qu'il n'y a de seigneur qu'Allah se sont égarés. Sauf s'ils visent par le terme seigneur, Ar-Rabb, Allah. C'est-à-dire, celui qu'on lui voue un culte et qu'on lui destine nos adorations de manière exclusive. Quant à ceux qui définissent la ilaha illallah comme voulant dire qu'il n'y a d'existence qu'Allah, ou que rien n'existe si ce n'est Allah, qui est la doctrine de l'unité ou bien l'unicité de l'existence. Wahdat al-wujud. Ceux-là se sont également égarés, car tu existes et Allah existe. Eux ils disent non, tout ce qu'il y a là c'est Allah. Nous c'est Allah, Allah c'est nous, sauf que l'existence d'Allah n'est aucunement comparable à toute existence. Et parmi ceux qui prennent l'unicité d'existence, certains disent que la ilaha illallah signifie faire sortir du cœur la mauvaise certitude pour la remplacer par la certitude correcte en ce qui concerne Allah, ce qui signifie en réalité chez eux que toute chose que tu vois, en fait, c'est Allah. Tout ce qui est devant toi, c'est Allah. Comme le disait Ibn Arabi et les gens de son espèce. Ibn Arabi disait: rien ne se trouve sous cette toge, ma toge, c'est-à-dire ma tunique, rien ne se trouve sous cette toge sauf Allah. Mais il ne faut pas confondre entre Ibn Arabi, le Tarout, le Shaitan, et Ibn al-Arabi, qui lui était Ash'ari. Il avait des erreurs au niveau d'interprétation de certains attributs d'Allah. Mais il n'était pas soufi ou mystique, bâtiniste. Et malgré ses erreurs, Shirdi, il est considéré comme faisant partie des gens de la Sunna et il a écrit des livres très profitables et bénéfiques. Ça, c'est ce que dit Shirdi, hafidahullahu ta'ala. S'il veut dire ici qu'il fait partie des gens de la Sunna en général, n'aim, fait pas partie des soufis, des rafidis, des délits. Mais s'il veut dire que c'est l'arida de Al-Sunna ou Jama'a, yani, d'interpréter les attributs, non. Celui qui interprète les attributs, n'am, ne fait pas partie des gens de Al-Sunna ou Al-Jama'a. N'am. Bien sûr, il peut être excusé si c'est un savant. N'am. Il peut être
excusé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Ibn Arabi, qu'Allah le châtie, le premier, le soufi, lui est une personne qui a eu l'audace de dire des paroles démesurées au sujet d'Allah Azza wa Jalla et de la religion. Il dit par exemple, écoutez ce que dit Ibn Arabi par exemple, il dit que Pharaon était mieux guidé que Moussa quand il lui a dit Anarbukum al-A'la, c'est moi votre Seigneur le plus haut. Il a dit en disant cela, il est mieux guidé que Moussa. Moussa Mskin, il s'est égaré. Mais, Pharaon, Masha'Allah, il est très bien guidé. La preuve, il a dit, c'est moi votre Seigneur. Parce que Ibn Arabi, celui-là, il dit, sa aqida, c'est quoi? L'unicité de l'univers. Tout ce qu'on voit, c'est Allah. Il dit, c'est pas possible qu'il y ait autre chose que lui. Donc, même Pharaon, quand il dit Anarbukum al-A'la, il s'est pas trompé. Parce qu'on vient de dire que nous tous, on est Allah, et Allah, c'est nous. Il a dit, il y a sous mon qamis, il n'y a rien que sauf Allah. Donc, c'est pour ça que même quand Moussa alayhi salam est allé parler à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est revenu, il a laissé Haroun avec son peuple. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le peuple de Haroun avait adoré le veau. Il a blâmé Haroun. Si toi tu dis à Pharaon, Ibn Arabi, tu lui dis comment tu dis que tu dis cette aqida que tout est Allah, et tu lui dis regarde, Moussa alayhi salam, quand son peuple a adoré le veau, il a blâmé son frère. Il a dit pourquoi tu n'as pas fait quelque chose, pourquoi quelque chose dans ce sens. Il a dit il a blâmé son frère. Donc ça veut dire que Moussa n'est pas ravi qu'on adore le veau. Non. Qu'est-ce qu'il va te répondre cet égaré? Il va te dire oui, mais il ne l'a pas blâmé parce que le peuple a adoré le veau. Mais il l'a blâmé quand ils ont adoré seulement le veau. Voilà, il l'a blâmé, il lui a dit pourquoi tu les as laissés adorer seulement le veau alors que tu sais que tout est Allah. Ils doivent adorer le soleil, la terre, les cieux, les montagnes, les pierres. Pourquoi? Ils ont adoré seulement le veau. Donc, quelqu'un qui a une aqida comme ça, c'est difficile de lui faire comprendre les choses. Là, s'il est bloqué, il est scellé, il a l'aqida de l'unicité, l'unité de l'existence. Tout est Allah. Naam. Et c'est pour ça qu'il dit ici, quand Pharaon a dit Anarbukum al-A'la, c'est moi votre Seigneur, il a dit, il a raison, c'est Pharaon, c'est Moussa qui s'est trompé. C'est Moussa qui s'est trompé. Il dit ici, quand Moussa s'est présenté à Pharaon, pour qu'il se soumette à Allah, Pharaon a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et Ibn Arabi considère que Pharaon, était mieux guidé que Moussa. Mais en réalité, c'est logique. Vu que pour Ibn Arabi, toute chose est Allah, wal'iyadu billah. Et, 7 Ibn Arabi. On dit 7 ici parce que deux voix elles se sont rencontrées, vous savez ça. On dit pas ce Ibn Arabi à cause de E et du I qui se suivent. Donc, 7 Ibn Arabi est adoré. Et 7 ici, C-E-T. Et 7 Ibn Arabi est adoré à la place d'Allah Azza wa Jalla dans certains pays musulmans et en Syrie. Les gens tournent autour de sa tombe et se prosternent devant sa tombe. Et il l'invoque, espérant se rapprocher d'Allah. Subhanallah, l'adhim. Subhanallah. Quelqu'un qui dit comme ça. Et qui, bien sûr, il n'y a nul de doute que c'est un kafir qui est sorti de l'islam. Ibn Taymiyyah, rahimallah, a même une risala spécialement, qui prouve que c'est le zindiq. Il dit c'est un zindiq, c'est un kafir qui est sorti de l'islam. Même quand tu lui cites le verset, maintenant ça me rappelle une chose. Quand tu lui cites le verset, tu lui dis que, Pharaon, tu dis que, il était bien guidé, ceci, cela, mieux que Moussa, alayhi salam, ma'alish. Que dis-tu? Que vas-tu dire du verset? Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa yawm al-qiyamati adkhilu ala Pharaon ashad al-adab. Yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati. Ensuite, il a dit, wa yawm al-qiyama, et le jour du jugement dernier, Allah ta'ala dit, adkhilu ala Pharaon. Faites rentrer ceux qui ont suivi Pharaon, Ashad al-Adab.
Et auparavant, il a dit Domo Kama, Pharaon Yom Kiyama sera le premier et ceux qui l'ont suivi derrière lui. Ensuite, Allah Ta'ala dit entrez-le, Yanné, entrez-les, Ashid al-Adab, dans le plus grand châtiment, le plus douloureux. Alors, comment tu dis qu'il était égaré, Tafon, qu'il était guidé, s'il était bien guidé, donc il ne serait pas entré au paradis. Allah n'aurait pas dit entrez-le en enfer. Il te répond Allah Ta'ala ici est en train de parler de l'enfer, de quoi? L'enfer de l'amour. Naam. Entrez-le dans, yani, le grand amour qui puisse exister. Naam. Yani, l'enfer du cœur. C'est-à-dire tellement, yani, il m'aime et tellement je l'aime. Naam. Que, Yom al-Qiyama, je vais dire, entrez-le, yani, et c'est ça, donc il veut dire par là le paradis, il va rentrer au paradis, l'enfer devient paradis. Naam, yes, paradis du cœur. Que Allah Ta'ala nous préserve, que Allah Ta'ala nous préserve. Et bien sûr, il a des livres, il a même un tafsir, qui s'appelle Fusus al-Ahkam. Fusus al-Ahkam, dit, moi une fois, si je me trompe pas, je l'ai vu, yani, chez quelqu'un en train de le vendre. Parce qu'il ne sait pas celui qui le vend. Et quelqu'un une fois m'a dit, un ami, m'a dit, on m'a donné ou bien j'ai acheté. Fusus al-Ahkam de Ibn Arabi. Ensuite, je lui ai dit, voilà, et on l'a ou bien déchiré ou bien jeté, ou je ne me rappelle plus. Al-Muhim. Donc, il a des livres qui se vendent. Il a des livres qui se vendent. Donc, si quelqu'un est nouveau, il va trouver son livre. Et de surcroît, qu'est-ce qu'il y a? Il s'appelle comme un grand savant. Il y a le grand savant Ibn al-Arabi. Et celui-là, il s'appelle Ibn al-Arabi. Et en fait, les deux s'appellent du même nom. Ils s'appellent comme ça. Je vais écrire. Il s'appelle Ibn al-Arabi. En fait, il s'appelle, son vrai nom, c'est celui-là. Ibn al-Arabi. Voilà. Son vrai nom, c'est Ibn al-Arabi. Et il y a un deuxième savant, qui s'appelle Ibn al-Arabi. C'est un malikite. Bon, il a des fautes dans, il interprète des versets, il interprète des attributs. C'est une faute, mais comparé au premier, c'est la différence entre le ciel et la terre. Al-Muhim. Puisque les deux s'appellent Ibn al-Arabi, et que l'un est égaré, égareur, kafir, et l'autre fait partie des gens de science. Les savants ont dit, pour qu'on se trompe pas, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier, on lui enlève elle. On l'appelle Ibn Arabi directement. Et l'autre, on lui laisse elle. On dit Ibn al-Arabi. Et pour ne pas se tromper encore, en arabe, vous savez que quand on met elle, ça devient ma'rifa. Quelqu'un de reconnu, ma'rifa. Et quand on enlève elle, on dit nakira. Nakira, c'est quelqu'un, yani, d'anonyme. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, nakira. Je ne connais pas qui cette personne. Ils ont dit comme ça, on est sûr que personne ne peut se tromper. Si on dit Ibn Arabi, c'est attention, le grand zindiq. Si on dit Ibn al-Arabi, c'est le savant. C'est le savant. Al-Muhim, je disais, il a même des livres qui se vendent, que Allah nous préserve, qui se vendent jusqu'à de nos jours. La preuve, ce qui est plus grave, c'est que le cheikh dit ici, il est adoré dans certains pays musulmans. Et en Syrie, où il est enterré. En Syrie, où il est enterré, les gens, jusqu'à de nos jours, tournent autour de sa tombe et se prosternent devant sa tombe. Et ils l'invoquent, espérant se rapprocher d'Allah Ta'ala. Alors que ce personnage est parmi les pires de la création. C'est un véritable tarout. Et même s'il avait été une personne pieuse, il est interdit en islam d'adorer autre qu'Allah. Que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé, comme nous l'avons vu lors des séances précédentes. Certains le surnomment Al-Muhakkik, Ibn Arabi, le revivificateur de la religion. Alors qu'en réalité, il est l'assassin de la religion à laquelle il nuit gravement par ses paroles. Si quelqu'un va lire ces livres-là, il devient, yani, sort de l'islam ou l'ayyadu billah. Cette personne, Ibn Arabi, prétend que les grands pieux, les élus d'Allah, ont atteint des rangs supérieurs aux prophètes. Naam.
Comme ça, ils disent, même les prophètes prennent du wali. Il dit, il y a le wali c'est qui? C'est une personne qui atteint un grand degré dans la piété, etc. Le prophète lui-même prend du wali. Prend du wali, il est plus élevé que le prophète. Il dit, cette personne a des vers de poésie dans lesquels il dit clairement qu'Allah Azza wa Jalla se trouve en toute chose. Naam. Même une fois, un an est passé, il s'est prosterné. Les gens se sont étonnés, il a dit, vous pouvez pas comprendre ce que je comprends. Naam. Toute la créature, tout ce qu'on voit, c'est Allah. C'est inséparable, indissociable. Cette âne, c'est aussi année Allah. Astaghfirullah ya Rabbi. Et même dans le porc. Et le chien. Pour lui, Allah est toute chose. Que ce soit un mur, une montagne, les animaux, les humains, les cieux, la terre, toute chose est Allah. Pour cette personne, le sens de la ilaha illallah signifie rien n'existe si ce n'est Allah. Ça, c'est très grave. La ilaha illallah, c'est quoi? En demandant à une personne, c'est quoi la ilaha illallah? Elle dit rien n'existe si ce n'est Allah. C'est très grave. Ça veut dire elle fait l'unicité de l'univers. On lui dit rien n'existe si ce n'est Allah. Donc tout est Allah. Donc moi je suis Allah, l'arbre, l'animal. Puisque tu viens de dire rien n'existe si ce n'est Allah. Ensuite il y avait une chose qu'il avait dite que je voulais dire aussi si je n'oublie pas. Attendez, je reviens un peu marche arrière, peut-être que je vais me rappeler. Il dit, je viens de me rappeler. Ensuite, il peut même te citer un verset, bien sûr, ce n'est pas quelqu'un qui va expliquer tout le Coran, qui, Yanni, tu crois, peut-être l'un de vous, hein, peut-être l'un de vous, est en train de se dire, c'est étonnant. Moi, si j'étais avec cette personne, je l'aurais vite convaincu en lui citant certains versets ou certains hadiths. Là. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, hein. Parce que lui, déjà, il a expliqué tout le Coran. Donc, il connaît les versets mieux que nous et beaucoup mieux. Et à chaque fois que tu lui cites un verset, il t'en cite un autre de l'autre côté qui, pour lui, voilà, il faut fuir. Bien sûr, il faut jamais s'asseoir avec quelqu'un pareil ou dire je vais lui faire da'wa ou là je vais lui faire ceci. Parce qu'il va te remplir de choubouat. Je donne un exemple très simple. Il va te citer le verset. Par exemple, là, il va citer le verset. Attendez, j'ouvre le programme. Voilà. Il te cite, par exemple, ce verset. « Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah. » Attendez, je vais écrire « illa iyyah ». S'il me donne ça, « illa iyyah ».« Illa iyyah ». Sarah, il m'a donné beaucoup de versets en ce sens. Bon, maalif. Je vais prendre celui-là. Naam, moi, ici. Oqadar buku, urbuka le tahadi. Je vais prendre ce verset. Une seconde. Suivez avec moi. Dites-moi si ça s'affiche. Dites-moi. Ça ne fait rien. Vous voyez pas, mais je vous dis ce qu'il y a. Vous m'entendez? Allah Ta'ala dit dans le Coran, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Il te cite ce verset, il te dit, Allah Ta'ala a décrété, il a mis dans le décret, dans la tablette préservée, n'adorer que lui. Alors, penses-tu que, voilà, c'est ça le verset. Et ton Seigneur a décrété et n'adorer que lui. Qu'est-ce que ça veut dire décréter? Il a mis dans le décret, il a écrit sur la tablette préservée, n'adorer que lui. Il te dit, penses-tu que ce que écrit Allah Ta'ala sur la tablette préservée puisse changer? Allah Ta'ala écrit, il ne faut m'adorer que moi et quelqu'un va adorer autre que lui. Il te dit, ça marche pas. Donc tout ce qu'on adore, on est en train, en fait, de l'adorer lui. Vous avez compris. Quand il y a le adhan, il fait le adhan. Quand je reviens, inshallah ta'ala, je réexplique tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a la retransmission sur Baidux? Alhamdoulilah. Donc, on parlait de l'égaré Ibn Arabi, qui faisait partie de l'unité de l'existence.
ceux qui disent comme ça. J'avais dit que, yani, non, il te dira, regarde le verset, Allah Ta'ala a dit, et ton Seigneur a décrété que, yani, il ne faut adorer que lui, n'adorer que lui. Allah Ta'ala, quand il décrète une chose, il faut qu'elle soit. S'il décrète que une personne meurt tel jour, il faut qu'elle meure. S'il décrète que la fin du monde sera tel jour, c'est tel jour. S'il décrète que la pluie doit tomber, il doit tomber. Et s'il a décrété quoi? N'adorer que lui. Donc nous, on adore que lui. Donc, si tu adores le soleil, tu vas adorer Allah. Si tu adores, tu vas adorer l'arbre, tu vas adorer Allah. Si tu adores une pierre, tu vas adorer Allah. Car c'est lui qui a décrété n'adorer que lui. Et là, quand il dit une chose, sa parole ne change pas. Non. Donc maintenant, si c'est, il va te rencontrer, il va te dire une chose pareille, tu vas citer un verset pareil, c'est sûr que tu n'auras pas de réponse. Mais Al-Sunnah ou Jama'a, comme vous savez, disent que justement, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Exactement comme se divise sa volonté. Naam. Sa volonté se divise en volonté universelle et volonté religieuse. L'universel, si Allah Ta'ala veut une chose, il faut qu'elle soit. Par contre, la volonté juridique, religieuse, si Allah Ta'ala veut une chose, il se peut qu'elle ne soit pas. Comme Allah Ta'ala veut, par exemple, que yani, nous l'adorions. Mais pas tout le monde l'adore. Allah Ta'ala veut que nous soyons des pieux, mais pas tout le monde est impieux. Mais si Allah Ta'ala veut que la pluie tombe, il faut qu'elle tombe. Et c'est la même chose. Allah Ta'ala a décrété, hein, le décret chez Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Universel, s'il décrète quelque chose d'universel, il faut qu'elle soit. Mais s'il décrète quelque chose religieuse, il se peut qu'elle soit, il se peut qu'elle ne soit pas. Donc le tout ici, c'est de savoir, est-ce que son décret ici est religieux ou bien universel? Est-ce qu'il est religieux ou bien il est universel? La vraie réponse, de Al-Sunnah al-Jama'a, c'est que ici, c'est religieux. Naam. Il a décrété que les gens doivent l'adorer, mais pas tout le monde l'adore. Car si c'était un décret universel, ça se serait passé et ça aurait existé qu'on le veuille ou pas. La preuve qu'il y a le décret universel et religieux, regardez par exemple le verset qui va suivre. Où Allah Ta'ala a dit فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمِينَ. En parlant des cieux, il a dit et il décréta, yani, sept cieux en deux jours. On va voir si je peux trouver le verset. Hada, une seconde. Non. Donc c'est, regardez, dis-moi si ça s'affiche. Donc c'est ici, nam, la solat des versets détaillés, nam, verset numéro 12. Allah Ta'ala dit et il décréta d'en faire sept cieux. Il décréta ici d'une manière universelle, pas d'une manière religieuse. Ça veut dire il a décrété sept cieux, khlas. Et sept cieux se sont faites et construites. Bi'idni Rabbi Azza wa Jal. Pourquoi c'est un décret universel? Yani, quand il dit une chose, il lui dit soit et elle est. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est décret religieux, non. Comme dans le verset, Naam, il a décrété qu'on n'adore que lui. Et la preuve que c'est religieux et que pas tout le monde l'adore, il a dit dans un autre verset, il a dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفَرْ. Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il m'écroit. Donc, lorsqu'il a dit quiconque veut qu'il m'écroit, ça veut dire donc il y aura des gens qui vont m'écroire. Naam. Donc, ça c'est une preuve que quand il a décrété que tout le monde l'adore, que c'est juste religieux et que ce n'est pas universel. Sinon, si c'était universel, tout le monde l'aurait adoré. Et si tout le monde allait l'adorer, Allah Ta'ala ne va pas dire quiconque veut et qui ne m'écroit, puisque tout le monde va l'adorer. Non. Et Tayyib, donc je disais que ils ont beaucoup de choubouhat et Al-Sunnah ou Jama'a, alhamdoulilah, ont des bases. Ils disent ça se divise en deux, comme la volonté, comme le décret, comme beaucoup de choses. Non. Et celui qui ne suit pas Sunnah ou Jama'a, la Bouddha qu'il s'égare. Regardez maintenant un autre verset. Je vais vous citer un autre verset avec lequel il peut tromper beaucoup de gens. Regardez le verset où Allah Ta'ala dit au prophète,
Je vais écrire Rameita, peut-être il nous donne le verset. Wama Rameita. Id Rameit, walakin Allah Rama. Non, voilà le verset ici, l'Anfal 12. L'Anfal 12. Allah Ta'ala dit, hein, et lorsque tu lances une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lance, mais c'est Allah qui lance. Non. Je vais vous donner seulement en français parce que si je cite les deux, non, yani, ça ne marche pas sur le pal. Sur le pal talk, ça ne marche pas. Ça y est. Regardez maintenant. Est-ce que ça s'est affiché? Alhamdulillah. Et en même temps, vous m'entendez en même temps? Vous m'entendez? Tayyip, imagine que tu t'assois avec lui et que tu cites ce verset. Il t'a dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Ensuite, il te dit, et lorsque tu lances une poignée de terre, lorsque le prophète Hassan a lancé une poignée de terre sur les yeux des kuffars, le visage des kuffars, il a dit, ce n'est pas toi qui lances, mais c'est Allah qui lance. Il te dit, tu vois, en fait, c'est qui a lancé? C'est le prophète Hassan qui a lancé de la terre et du sable. Mais Allah Ta'ala dit, dans le camp, il lui a dit, c'est pas toi qui as lancé, c'est moi qui ai lancé. Ici, il va te dire, Ibn Arabi, tu vois que, en fait, le prophète, c'est Allah. Et Allah, c'est le prophète. Le prophète, c'est Allah. Parce que le prophète a lancé, et Allah Ta'ala dit, c'est pas Mohammed qui a lancé, c'est moi qui ai lancé. Donc, c'est une chouba ou là, ce n'est pas une chouba. Et quelqu'un qui est débutant ou là, pas de débutant, il est assez bien, et peut-être il peut couler. Mais, subhanallah, je savais pas ça, il va dire. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit? On lui réplique, on lui dit, donc, toi, tu reconnais que le prophète a lancé. La preuve, il a dit, et lorsque tu as lancé, c'est moi qui ai lancé. Donc, il y a un lancement de la part du prophète sallam. Donc, il y a le prophète et il y a Allah. Il y a le tu, lorsque tu lances, il y a, c'est moi qui ai lancé. Il y a le tu et il y a le moi. Il y a le tu et il y a Allah. Il y a le prophète et il y a Allah. Mais le vrai sens du verset, c'est que, il y a Mohammed. En fait, lorsque tu as lancé, ce n'est pas toi qui as fait arriver le sable dans les yeux. Toi, tu as lancé seulement. Toi, tu as jeté. Et moi, j'ai fait arriver le sable à sa destination dans les yeux. Ça, tu ne peux pas le faire. C'est Allah qui l'a fait. C'est possible que quelqu'un prenne comme ça une poignée de sable et la jette comme ça contre 3000 kofars. Et que ça aille rentrer dans leurs yeux. Seul Allah Ta'ala peut faire cela. Allah Ta'ala est en train de parler de cela. Il a dit, ça c'est moi qui l'ai fait. Quant à prendre le sable et le jeter, ça c'est toi qui l'as fait à Muhammad. Taïb, on continue. Que Allah Ta'ala nous préserve de l'égarement. Que Allah Ta'ala nous préserve de l'égarement. Donc, il dit ici, et que personne, écoutez bien ce qu'il dit, et que personne ne vienne dire que ce genre de pensée a disparu. Ceci est une erreur. Cette parole est toujours répandue dans la Ummah. Et ceux qui appellent à l'unité d'existence sont encore présents à notre époque dans beaucoup de pays musulmans et ces gens se revendiquent de l'islam. Non. Il dit qu'on ne vient pas dire, hein? Il dit cette parole est très répandue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, jusqu'à de nos jours, et ça, c'est une preuve que celui qui dit comme ça n'est pas salafi. Quelqu'un qui dit comme ça n'est pas salafi. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, arrête de nous parler, de nous apprendre la aqida et des, surtout en parlant des sectes. Des Mu'tazila, des Ash'ariya, des Salimiya, des Jahmiya, des Karamiya. Il te dit, tout ça, c'est passé. C'est, Wahdat al-Wujud, c'est autrefois. Maintenant, parle-nous de ce qu'on vit maintenant, pas ce qu'on vivait, ce que les gens ont vécu. Lui, arrête, c'est faux. Justement, c'est faux. Pourquoi? Parce que les Mu'tazila, il y a toujours. Les Ash'ira, il y a toujours. Les Khawarij, il y a toujours. Et comme ça, toutes les sectes maintenant, yani, ça existe toujours. Il y a des gens qui leur font yani, de la publicité. Et même si la personne ne sait pas, par exemple, qu'elle est Mu'tazilite, mais elle a le minhaj et elle a l'aqida des Mu'tazilites. Quand quelqu'un va dire que Allah Ta'ala, on ne le voit pas yom al-qiyama, ça veut dire quoi? Il a une aqida, yani, ou du moins, il a rejoint les Mu'tazilites et les Khawarij dans cette aqida. Car les Khawarij, les Mu'tazilites disent qu'on ne voit pas Allah yom al-qiyamah. Et quand quelqu'un dit que ce qui fait comme ça, celui qui fait un grand péché, il est kafir, on lui dit donc tu rejoins les Kharijites. Ils disent que celui qui fait un grand péché, il est kafir.
Et comme ça, donc une personne peut rejoindre et disons, qu'est-ce que le Mouafara peut concilier yani, avec sa Aqida yani, sur certains points avec les sectes égarées sans savoir que elle fait partie de ce qu'elle dit yani, ça a rapport avec l'autre Aqida. Il dit ici, tel à notre époque, un certain Mustafa Mahmoud, qui dans beaucoup de cas cette vidéo d'émission télévisée propage ce dogme de l'unicité de l'existence dans des programmes qui ont trompé et égaré beaucoup de gens. Ainsi, Ibn Arabi est encore dans ce monde. Son héritage est toujours présent. Comme on dit, chaque peuple a toujours un héritier. Donc, il y a un certain Mustafa Mahmoud qui, d'après le cheikh, jusqu'à présent, il passe à la télé, il dit, il propage la aqida de Ibn Arabi. Subhanallah al-Azim. Donc, il n'est pas mort. La pensée d'Ibn Arabi est donc toujours présente et cette croyance de panthéisme est toujours présente à l'échelle du monde musulman. Dans chaque pays, tu trouves des gens qui appellent à cette croyance. Et chez nous, c'est-à-dire où, en Arabie Saoudite, il y a quelques années, il y avait une personne parmi nous, un étranger, qui a quitté définitivement le territoire, qui réunissait les gens chez lui lors de la commémoration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même des enregistrements où on entend parler et divaguer, on entend même dire « Je suis Allah ». Astaghfirullah, je suis Allah. Existe-t-il une mécréance plus grande que celle-ci? Ce genre de pensée existe de nos jours et est présent chez certains pays musulmans. Il faut se rendre à l'évidence. Ces choses, ces croyances sont présentes parmi les musulmans et ces gens attribuent ces égarements à l'islam. Ils disent que c'est l'islam. Il suffit juste de savoir que cet Ibn Arabi est adoré dans certains pays musulmans et qu'on lui a dédié des mausolées. Est-ce celui-ci le sens de la ilaha illallah, nulle existence sauf Allah? Non, il dit non. Le sens de cette parole est il n'existe nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Quiconque alors explique cette noble parole par autre chose s'est égaré et est tombé dans l'erreur. Nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah, car il existe une multitude de divinités. Toute chose qui est adorée est une divinité. Cependant, elles sont toutes fausses. À Arafat, lors du pèlerinage, j'ai entendu, attention là, j'ai entendu, c'est pas moi qui parle, c'est Cheikh Suhaimi, Hafidallah, il dit, j'ai entendu une personne qui proclamait les paroles d'Ibn Arabi. Aussi, que personne ne vienne nous dire, vous ne cessez de répéter toujours les mêmes choses, alors que cette pensée a disparu avec le temps. Alors que les musulmans ont été envahis par leurs ennemis de partout, ils sont dominés et vous répétez ces choses. Comme ça disent celui qui n'est pas salafi. Et surtout les frères musulmans. Il te dit maintenant, les juifs font telle et telle chose à Gaza, et les américains font telle et telle chose, et là, je ne sais pas, ailleurs ils font telle et telle chose, au lieu d'aller à protéger nos frères et d'aller les aider, etc. Nous, on est en train de parler de Ibn Arabi, de Mu'tazila et de Asha'ira. Comme ça, ils te disent. Ou bien ils te disent, on est en train de parler de Wodo et des ablutions et des gaz et la femme qui a les menstrues et ceci et cela. On ne sort pas, comme ils disent eux, vous ne sortez pas des toilettes. Comme ça, ils disent des salafis. Les salafis ne sortent pas des toilettes. Tout le temps en train de parler de j'ai perdu mes ablutions, j'ai eu des gaz, j'ai eu ceci. Et les gens sont déjà montés sur la Lune et maintenant ils veulent monter sur Mars et sur Neptune. Et toi tu restes dans les toilettes. Comme ça ils disent. C'est pour ça que si tu dis à celui qui dit comme ça, d'accord. Montre-moi toi, yani, prie seulement devant moi et tu vas voir que je vais te corriger 10 erreurs dans ta prière. Fais le wudu et tu vas voir que je vais trouver 5 ou 6 erreurs dans le wudu, dans la façon que tu fais le wudu. Non, ça c'est seulement dans le wudu. Et le wudu et la salat. Qu'en est-il dans la aqida? Qu'en est-il maintenant si on va parler aqida et on va parler de nom et attribut, on va parler de volonté universelle et juridique et on va voir. On va voir si tu sais ce que ça veut dire. On va voir si on va pas trouver que tu fais partie des khawarij ou bien des takfiri ou bien des mu'tazila ou bien des ash'arites ou bien des murjites ou bien des jahmites. Tu vas voir.
Si au moins tu faisais partie d'une de ces seules, de ces sectes, tu fais partie de toutes les sectes, tu les as joignées dans ton cœur. Non. Il dit ici, mais en vérité, ce sont ces choses qui ont divisé les musulmans. Ce qui a divisé et affaibli les musulmans, c'est le fait qu'ils aient suivi un tel ou un tel, tel ou tel groupe, où ils se sont affiliés à un tel ou un tel. Les groupes sont présents. Tout comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, rien n'améliorera la situation des derniers sept communautés, si ce n'est ce qui a amélioré l'état des premiers. Concernant l'explication de la parole, la ilaha illallah, Allah a clarifié dans le Coran, il nous a dit, wa id qala Ibrahim li abihi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani sayahdin. Il a dit, et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Cheikh dit, la première section, je désavoue totalement ce que vous adorez, correspond à la ilah, la négation. Pas de divinité, la ilah, la ilah. C'est-à-dire, bien sûr, qui mérite l'adoration. Ensuite, il a dit, il a dit à son père, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. À l'exception de celui qui m'a créé correspond à illallah, la deuxième partie, illallah, illallah. Donc, quand Ibrahim a dit, je désavoue totalement ce que vous adorez, ça veut dire la ilah. Et quand il a dit, à l'exception de celui qui m'a créé, il a dit, sauf Allah, c'est-à-dire illallah. Non. Allah Ta'ala dit, وَجَعْلَهَا كَلِمَةٍ بَقِيَةٍ فِي عَقِبِهِ لَعَلَمْ يَرْجِعُونَ. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Cheikh dit, jusqu'à nos jours, et ce, jusqu'au jour où tout retournera à Allah, et le prophète Mohammed Aslam, en vérité, fait partie de la descendance d'Abraham. On trouve également l'explication de l'Aïla dans le verset, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابْ تَعَلَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَى اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous, entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Ils ont été appelés gens du livre car ils ont reçu un livre révélé, la Torah et l'Évangile. Ici j'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup de musulmans qui de nos jours te disent, les chrétiens de nos jours et les juifs de nos jours ne sont pas les gens du livre. Te dis, les gens du livre sont les gens de livres d'autrefois. Et par conséquent, ça ne va pas s'arrêter là, ça donne des jugements. Par conséquent, si on va dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un juif ou un chrétien égorge un mouton, tu n'as pas le droit de manger de sa viande. Ça veut dire aussi que le musulman n'a plus le droit de se marier avec une juive ou bien une chrétienne. Pourquoi? Parce que d'après eux, les chrétiens d'aujourd'hui et les juifs ne sont pas les gens du livre. Or ça c'est vrai. Or ça c'est faux. Ça c'est faux. Pourquoi? Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَكُمْ. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, entre nous et vous. Allah Ta'ala les a appelés gens du livre, après quoi? Après que leur livre ait été falsifié. Leurs livres ont été falsifiés, ça. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a envoyé ce nouveau livre, a fait descendre ce nouveau livre, et a envoyé le prophète alayhi salam avec la vraie religion. Mais malgré cela, dans cette religion, dans le Coran, Allah Ta'ala les a appelés les gens du livre. Il a dit, aux gens du livre, venez. Ça veut dire que les chrétiens qui vivent de nos jours, ce sont des gens du livre. Et les juifs de nos jours, ce sont les gens du livre. Et qu'il est permis de manger leur viande s'ils égorgent. Non. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit dans Boulour al-Maram, il a dit, si quelqu'un va dire, oui mais les gens du livre par exemple maintenant ils vont pas à l'église, non, ils font pas ceci, ils font pas cela, ils n'égorgent plus d'après la charia, ils boivent du vin, etc. On dit ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et le musulman d'aujourd'hui, il boit pas de l'alcool, il va à la mosquée, il va pas, il fait ceci, il fait cela, akhlas. Non, malgré cela, on dit de lui, c'est un musulman. Non, comme ça dit Ibn Uthaymeen, il a dit, on dit de lui, c'est un chrétien, s'il s'affilie au christianisme. On ne voit pas s'il applique ou il n'applique pas. S'il dit, moi, je suis chrétien, c'est ça le chrétien, c'est ça les gens du livre. Même, il a dit, s'il n'applique pas, il ne va pas à l'église, il ne jeûne pas, etc. Et mange du porc. Comme ça dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala.
Cheikh dit, pour terminer, à notre époque, beaucoup de gens se sont pris les uns les autres pour seigneur, et ce, par divers moyens. Que Allah Ta'ala nous préserve. Le prochain cours, inshallah Ta'ala, ce sera la preuve concernant que Muhammad, alayhi salatu salam, est le messager d'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre dans un quart d'heure, inshallah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous êtes prêts? Alhamdulillah, donc, je vous donne le micro, inshallah Ta'ala, pour commencer la première question. Tawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum Cheikh. Donc, nous allons commencer par la première question. En fait, Cheikh, je voulais commencer par juste une suggestion, car il y avait une suggestion qui est arrivée. Donc, Inch'Allah, le frère va l'afficher sur le salon. Naam. Salam alaikum. Ma question porte sur le cours. Je voudrais savoir quel livre utilise exactement le Cheikh. J'ai celui de l'explication des trois fondements par Cheikh Mohamed ibn Salah al-Utaymin, rahimahullah. J'essaye de vous suivre, mais je ne trouve pas toujours ce que dit le Cheikh. Une autre suggestion pour répondre à la question du Cheikh hier, les améliorations, etc. Je trouve que prendre des questions pendant que le Cheikh va prier serait pas mal pour gagner du temps. Wallah ou alam. Et je préfère que les cours soient après le marlob, qu'Allah nous facilite l'apprentissage de la science et nous donne la sincérité et le paradis. Amin. Gloire et pureté à Allah. Tfadar ya Cheikh. Naam, est-ce que vous m'entendez? Donc ici, il y a deux ou trois choses. La première, il dit, salam alaikum, je dis alaikum salam, wa barakatuh. La première, il dit, quel livre utilise-t-il? C'est celui d'explication de trois fondements de Cheikh Mohamed ibn Uthaymin. J'essaie de vous suivre, mais je trouve toujours pas ce que dire. il y a deux remarques par rapport à la première question. La première remarque. Le livre que j'utilise s'appelle Le commentaire des trois principes fondamentaux. Sharh Thalathat al-Usul. Cheikh Msalah Mohamed ibn Salah ibn Uthaymin, édition Anas. Il est noir. Et un peu de jaune autour. Voilà le livre que j'utilise. La deuxième remarque, Naam. Des fois, je ne dis pas. Je ne me suffis pas ce que dit Cheikh Ben Othimine, mais j'ajoute ce que dit Cheikh Najmi, ou Cheikh Souhaimi, ou Cheikh Ben Baz. C'est pour ça que la personne, des fois, peut être arrivée un peu en retard. Je suis en train de lire ce que dit Cheikh Ben Baz, et lui, il croit que je lis ce que dit Cheikh Ben Othimine. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas dit un mot de ce qu'a dit Cheikh Ben Othimine. Pourquoi? Parce que ce qu'a dit Cheikh Ben Othimine, je l'ai dit dans le cours passé. Aujourd'hui, j'ai lu ce qu'a dit Cheikh Souhaimi Hafidahullah Ta'ala. Ça, c'est donc une autre suggestion. Il dit, pour répondre là, je trouve que prendre les questions pendant que le Cheikh va prier serait pas mal pour. C'est ce qu'on fait. Normalement, quand je termine le cours avant le. Yani, quand le cours est terminé avant l'Aïcha, c'est ce qu'on fait. Le temps que j'aille prier, je reviens, je trouve les admins qui ont déjà les questions. Naam. Et je préfère que les cours soient après le Maghreb. Naam, ça c'est une préférence d'un des élèves. Naam. Alors que hier on m'a dit que la plupart ont choisi qu'ils préfèrent qu'il soit après le Isha. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadl, wasmak. Pouzi, tfadl. Barakallahu fikum Cheikh. Donc, tout à l'heure, c'était pas une question, mais juste une suggestion. Donc, on passe à la première question. Question numéro 1. Apparemment, le frère, il a du mal à l'afficher. Donc, elle n'est pas passée. Naam, donc, je vais la lire. Le 5 février 2016, mon père a embrassé l'islam. Allahu Akbar. Trois jours après sa conversion à l'islam, j'ai fait la hijra avec mon mari. Alhamdulillah, du coup, il se trouve seul pour faire ses premiers pas.
dans la religion et je crains qu'il se rapproche des mauvaises personnes. L'imam qui l'a converti suivait le minhaj des pieux prédécesseurs. Allahu a'lam. Mais depuis, il a quitté la mosquée et je doute que l'imam qui l'a succédé l'ait également. Allahu a'lam. Que lui conseillez-vous pour qu'il puisse apprendre sa religion sur des bases solides et qu'il ne suive pas les gens de l'égarement? Est-ce une obligation pour le nouveau musulman d'annoncer sa conversion à son entourage? Fadal Shir. D'abord, on dit Allahu Akbar, Alhamdulillah, pour cette bonne nouvelle. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Autre chose maintenant, dit l'imam, etc., etc., et à la fin dit, que lui conseillez-vous pour qu'il puisse apprendre la religion sur des bases solides, sur pas les gens d'égarement. Une personne pareille qui est nouvelle dans la religion, on devrait ne pas s'en éloigner d'elle, ne pas s'éloigner d'elle. Et ne pas s'éloigner d'elle, ce n'est pas physiquement. Car quand quelqu'un doit aller travailler, ou bien à l'hôpital, ou bien faire la hijra, c'est quelque chose d'obligatoire. Mais en ayant des contacts étroits avec cette personne. Surtout si on est son fils ou sa fille, on doit maintenant avec alhamdoulillah le Viber qui est donc comment on dit, sans argent, le WhatsApp, maintenant c'est pas, même si c'était avec de l'argent, ça ne fait rien. Gratuit. Même si c'était pas gratuit, je dois avoir d'étroites relations avec une personne qui est reconverti, nouvelle, et qu'en est-il avec mon père. Et c'est, j'essaie, inshallah ta'ala, de le guider en lui disant, voilà, ce qu'il faut lire, tel et tel livre, ou bien lui offrir des livres, lui offrir des audios, lui offrir, et aussi de le diriger vers, des sites et des lieux où il doit, inshallah ta'ala, apprendre, et, l'éloigner, lui dire dès maintenant que attention, il y a des sectes et attention, tu risques de tomber sur les Daesh et sur les terroristes qui égorgent au nom de l'islam et qui tuent des personnes innocentes au nom de l'islam. Non. C'est pour ça que soit très prudent et comme ça. Enfin, il dit, est-ce une obligation pour le nouveau musulman d'annoncer sa conversion à son entourage? L'entourage se divise en deux. On a ceux qui, si je leur annonce que je suis musulman, ça va faire du bien, ou alhamdoulilah, et ça leur plaît, et cela, je dois leur annoncer. Et on a ceux qui, si je leur annonce, ils vont faire des problèmes. Ils peuvent me tuer, ils peuvent, je ne sais pas quoi, me chasser de mon travail, me, celui-là, je suis pas obligé de lui dire. Surtout si c'est un kafir. Mais quelqu'un qui sera content et qui est, celui-là, je lui dis, bi'idna et ta'ala, pour qu'il sache, comment, se comporter avec moi, bi'idna et ta'ala. Naam, wallahu subhanahu wa ta'ala, alam, tfadlal. Afwan, vous m'avez pas entendu, non? Taïb, je repose la question. Question d'une sœur, question numéro 2. Peut-on prier avec un djilbab qui colle un peu, c'est-à-dire fait d'un tissu qui prend un peu les formes du corps? Tfadlal, yachir. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, pour la prière de la femme, il faudrait qu'elle prie avec quelque chose qui ne soit pas collé à son corps. Non. De quelque chose qui soit assez large et assez ample. Non. Donc, si c'est beaucoup collé comme ça et ça donne la forme de la femme, donc il y a un problème dans sa salat. C'est pour cela que je lui conseille de prier avec quelque chose de large. Moi, je vois ici mon épouse et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui font ça. Je ne sais pas ça, si ça existe chez vous. Il y a quelque chose de spécial, il y a un habit spécial avec lequel elle prie. Quand c'est juste le moment de la salat, elle le met. Quelque chose qui se met sur la tête et quelque chose qui se met comme une jupe large. Avec, il y a quelque chose qui se met sur la tête large, qui descend aussi jusqu'au dos. Je ne sais pas, ça se vend comme ça, je crois. Wallahu a'lam. Tayyib, tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Donc, nous allons passer à la troisième question. Question d'un frère. J'ai lu,
J'ai lu que celui qui accomplit la prière du Sobh en groupe à la mosquée, puis s'assoit et accomplit du Dhikr, lecture du Coran, etc., jusqu'au lever du soleil, puis accomplit 2 rak'at de la prière du Doha, obtiendra la récompense de Hajj ou d'une Umrah. J'aimerais savoir s'il est obligatoire de rester à la mosquée ou si l'on peut rentrer chez soi, faire son adoration et avoir cette récompense. Y a-t-il un nombre maximum de rak'at à faire pour Salat Doha? Merci Shir pour ces cours, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Tfadal ya Shir. En fait, il y a un hadith qui dit que celui qui prie en groupe Salat Sobh, c'est-à-dire à la mosquée, donc pas à la maison, il reste jusqu'à ce que le soleil se lève à faire le dhikr, ensuite prie 2 rak'at, que c'est comme s'il avait fait yani Hajj wa Umrah, il a dit 3 fois. Naam. Reste que ce hadith, quand authentifié bien sûr Cheikh Al-Albani, ou bien il a dit il est bon, reste que ces dernières années, il y a parmi les vérificateurs des hadiths qui ont dit que ce hadith est faible. Qui ont dit que ce hadith est faible. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. C'est pour ça que maintenant, si on va supposer qu'il est bon ou authentique, comme dit Cheikh Al-Albani, si on va supposer ça, dans ce cas, le hadith parle de celui qui prie à la mosquée et pas à la maison. Donc s'il veut la récompense, naam, il ne doit pas aller à la maison jusqu'à yani, attendre que le soleil se lève et attendre encore 10 ou un quart d'heure après le lever. Ensuite, prier au moins 2 rak'at pour avoir yani, cette récompense. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, y a-t-il un nombre maximum de rak'at à faire pour Salat al-Duha? Le maximum qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 12. Et le minimum qu'on puisse faire, c'est 2. Si quelqu'un en fait plus, on fait 14, 16, ce n'est pas interdit, il n'a pas fait un péché. Juste que dans le cœur, il ne doit pas se dire que je suis plus fort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il n'en a fait que 12 maximum. Mais c'est pour dire que, yani, si tu veux vraiment yani, le ajr, fais comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il n'a pas dépassé 12. Fais-toi 2, 4, 6, 8 et comme ça. En disant entre parenthèses que, hein, attention à ce que tu fasses 12 et yani, tu fais ça pendant une semaine ou un mois, ensuite tu commences à descendre à 8, 6, ensuite tu vas à 2. Non. Car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique, كان إذا فعل إذا عمل شيئا أثبته. S'il faisait une chose, il la faisait pour 2 bons. Il est toujours conseillé que commence par 2, au maximum 4. Ensuite, si des années comme ça tu as pu tenir 2 ou 4, monte un peu 6, 8 si tu peux. Mais ne fais pas le contraire, ne commence pas par un grand nombre, ensuite tu commences à descendre, ce qui sera la preuve de quoi? La preuve de la faiblesse et de la paresse. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikum cheikh. Question numéro 4, question d'un frère. Je sais que partant de pluie, c'est une sunna de prier la salat obligatoire à la maison. Mais je voudrais savoir ce qu'il en est dans le cas où il pleut très légèrement, toute petite goutte, que je peux me déplacer en voiture et que la mosquée n'est pas très loin de chez moi. Qu'est-il préférable de faire dans ce cas? Prier à la maison car c'est une sunna partant de pluie, ou bien prier à la mosquée sachant que c'est une obligation pour l'homme? Tfadal Yachir. Ce que je peux dire, Allah subhanahu wa ta'ala alam, c'est que quand il y a de la pluie, Allah subhanahu wa ta'ala yani, a donné la permission à la personne ou à l'homme de prier à la maison.